Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous faire mon classement du top 5 des meilleurs sets Lego Star Wars de la prélogie qui sont sortis récemment par Lego. Mais juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser que si mon contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Ensuite, notez que le top 5 des meilleurs sets Lego Star Wars de la prélogie que je vais vous soumettre relève plus d'un avis personnel que d'une analyse objective. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le top 10 des figurines Jedi en Lego que je vous mets d'ailleurs juste ici. Donc sans plus attendre, je vous propose de vous installer confortablement, de prendre du popcorn et on y va. Donc en numéro 5, en dernière place, on commence par le set référence 75-359, le Battle Pack de la 332e compagnie de Clone Troopers d'Ahsoka qui sortira le 1er août 2023 pour la somme de 20,99€. Alors ce qui justifie la dernière place, c'est que l'on avait déjà vu en 2020 dans le set du tank AAT, référence 75-383, un clone de la 332e compagnie d'Ahsoka. Alors on a quand même la mini-figurine du Capitaine Vaughn dans ce Battle Pack qui fait sa première apparition chez Lego et qui, on va pas se le mentir, n'est pas non plus à la hauteur des attentes de certains fans Lego Star Wars. On a aussi trois autres Clone Troopers de phase 2 de la 332e compagnie qui ne sont pas trop inédits. Le torse et les jambes ne sont pas inédits, mais juste les casques qui au passage sont les mêmes pour nos 4 clones, y compris Vaughn dans ce Battle Pack. En ce qui concerne la construction fournie, c'est vraiment minimaliste, et ce n'est autre qu'un simple argument de vente pour accompagner les figurines. En quatrième place, j'ai choisi le set référence 75-335, le Battle Pack des clones de la 501ème, sorti en début d'année pour 19,99€, issu du jeu Battlefront 2, et qui ne fait que compléter le pack de clones de la 501ème référence 75-280, sorti en 2020. Ce qui justifie que ce Battle Pack soit en quatrième place, c'est le fait que, personnellement, je trouve que des clones de la 501ème, ça fait un peu trop classique, et personnellement, j'aurais préféré avoir d'autres clones de différentes compagnies, comme par exemple des clones du 91ème corps de reconnaissance mobile. Alors je ne dis pas que le Battle Pack est mauvais, bien au contraire, c'est sans doute un must-have pour tout mon fan de Lego Star Wars et de figurines Lego Star Wars. Le Battle Pack nous livre une version peu détaillée d'un canon AV7, certes, et des figurines de la 501ème jamais vues et qui sont géniales. Sur les 4 clones, une seule paire de jambes est inédite, tous les torses sont inédits et 3 casques sur 4 sont inédits. Je suis sûr que vous allez me dire qu'on peut pas trouver mieux en termes d'exclusivité, mais en êtes-vous vraiment sûr? Attendez de voir la suite. En troisième place, j'ai choisi le set référence 75-337, le ATTE sorti l'année dernière pour la somme de 139,99€. Cette boîte est super sympa et nous livre une superbe version d'un ATTE en playset, un droïde araignée et 8 mini-figurines. Le ATTE a le mérite de refléter la radinerie de Lego avec une bonne planche de stickers qui pourra sûrement ennuyer les petits comme les grands lors du montage. Il est quand même à l'échelle des mini-figurines et est quand même doté d'un intérieur pour accueillir des clones. Du côté des mini-figurines, on a 5 clones de la 212e compagnie, dont la figurine exclusive du commandant Cody en phase 2, un clone gunner et 3 clones de la 212e identiques. Ah, et il y a aussi 3 battle droïdes pour compléter la cible de la TTE en plus du speeder droïde, mais on s'en fout un petit peu. Ce qui justifie sa 3ème place, c'est le fait que le set en lui-même est cher. Il y a néanmoins la présence du commandant Cody qui est excellent au niveau des détails apportés, mais 140 balles, c'est 100 moins. Le set est plutôt sympa pour sa belle poignée de mini-figurines, ce qui justifie sûrement son prix qui surestime trop la valeur du set. En deuxième place, j'ai choisi le set référence 75-342, le tank de combat de la République appartenant à la 187e compagnie de clones commandée par le maître Jedi Mace Windu. Le set est sorti l'année dernière pour la somme de 39,99€, puis rapidement passé à 44,99€ avec les augmentations. Selon certaines rumeurs, il ne serait plus commercialisé vers fin 2023. Ce set nous livre une version petite et peu détaillée d'un tank de la République de classe TX-130 Saber. Cette version est évidemment bien fournie en stickers, et il y a d'ailleurs peu de place à l'intérieur pour jouer avec les figurines. En parlant de figurines, il y en a 6, dont la figurine exclusive de Mace Windu, un clone commander de la 187e, 2 clones de la 187e identiques, et 2 battle droïdes. Ce set, selon moi, mérite bien sa 2ème place, car son prix relativement accessible nous permet d'obtenir de belles mini-figurines, et à n'en pas douter qu'une fois le set sorti du catalogue Lego, il coûtera une blinde au prix des investisseurs. Et maintenant, le moment que vous attendez sûrement, le meilleur set Lego Star Wars de la prélogie pour moi, c'est le Republic Gunship qui sortira en septembre 2023 pour la somme de 149,99€. Ce set nous livre une version petite d'un Republic Gunship avec une livrée en rouge bordeaux appartenant aux forces de l'ordre sur Coruscant. Cette version du Republic Gunship n'est pas non plus trop détaillée et on n'échappera pas à une planche de stickers, mais on se consolera avec 5 mini-figurines inédites et qui n'ont soit jamais été vues chez Lego, soit été vues mais très rarement chez Lego.
Au programme, le chancelier Palpatine, version donc du coup prélogie, Padmé en version revanche des Sith, le commandant Fox qui fait sa première apparition en phase 2, enfin, mais évidemment il y a un petit souci de topographie sur son torse, on le remarque ici quand on fait la comparaison entre le commandant Fox réel et le commandant Fox en Lego, mais bon là je suis pas ici pour faire des débats, et ainsi que deux Shock Troopers qui sont néanmoins assez bien fournis niveau topographie. Donc toutes ces figurines là sont issues du jeu vidéo The Skywalker Saga. Ce set, selon moi, mérite bien sa première place car toutes les minifigurines sont inédites et bien réalisées au niveau de la topographie, même si on exclura le commandant Fox qui a pris une petite douille sur son torse, mais bon, encore une fois, je suis pas là pour faire des débats. Et le Republic Gunship est quand même assez bien foutu. On reconnaît bien que c'est un Republic Gunship, on reconnaît bien la couleur de la livrée, même s'il y a un petit souci du détail et d'échelle. Malheureusement, ce qui est décevant, c'est surtout le prix qui est beaucoup trop élevé pour un simple jouet. Vous vous doutez bien que 150 balles c'est pas rien et c'est pas donné. Mais il va falloir faire avec et espérer le trouver en promo incessamment sous peu. Quoi qu'il en soit, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous ai présenté 5 sets Lego Star Wars sur la prélogie, mais 5 coups de cœur. Mais on n'en peut douter qu'il y en aura sûrement d'autres dans un futur plus ou moins proche. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Ça vous permet de me soutenir gratuitement. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous a plu. À laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ce classement. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour de prochaines vidéos.